Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP 17X-109NF. Pour commencer, on va retirer la batterie. Donc ici, elle est verrouillée, vous la déverrouillez. On appuie sur le bouton en ressort ici et on la dégage comme ceci. Ici, vous avez une étiquette avec des opercules. Si vous cassez ces opercules, vous faites sauter la garantie. Donc comme vous pouvez le voir, on peut retirer assez facilement l'étiquette avec les opercules juste en chauffant l'étiquette. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis retirées, on va décoller ici les tampons, enlever les vis. Pareil de ce côté. Comme ceci. Une fois toutes les vis retirées, on va pouvoir enlever le lecteur CD. On va ensuite retourner le PC à l'aide d'un outil comme par exemple une pointe de couteau plat et assez rigide. On va ici insérer et déclipser délicatement. Ça va permettre de ne pas marquer le plastique. On va procéder comme ça pour tout le tour. Comme ceci. Vous voyez, on peut écarter comme ça un peu. Voilà, donc le mouvement est simple, hein, vous pivotez vers l'extérieur délicatement, sans forcer. Ensuite, on va pousser. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, vous avez. On va essayer de les zoomer. Les clips en plastique. Donc, en gros, on va tirer le corps vers soi, comme ceci. Et du coup, on peut déplacer la plasturgie et la retirer. Donc nous voilà sur notre carte mère avec donc le disque dur, les barrettes mémoire, le système de refroidissement avec le processeur, ici la nappe du clavier. Donc pour retirer la carte mère, il vous suffira de retirer toutes les vis. Ici vous avez les barrettes mémoire. Donc on voit ici la pile du BIOS, le Wi-Fi. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.